Le peuple veut la chute du régime. Awad a vendu son terrain ou même abat le régime militaire. Des slogans utilisés ce vendredi par des dizaines de manifestants rassemblés devant le syndicat des journalistes dans le centre du Caire pour exiger la démission du gouvernement à la suite de la décision du président Al-Sisi de rétrocéder deux îles à l'Arabie Saoudite. Les îles de Tiran et Sanafir, qui se trouvent au sud de Suez, entre les deux pays, ont été rétrocédées par le gouvernement du Caire à son voisin en guise de contrepartie de l'aide financière de l'Arabie Saoudite à l'Égypte. L'accord de rétrocession a été signé au cours d'une visite historique au Caire du roi Salman d'Arabie Saoudite la semaine dernière. Jeudi, la police avait prévenu la population de ne pas manifester après l'appel des militants islamistes et laïcs à ces rassemblements. Ces derniers accusent le président égyptien de vendre les îles en échange d'investissements saoudiens.